65. 65. Nada. 65. Ah, está el señor. 65. Baldomero le va. Ok. Y voy a decir. Ah, pues, y me dice que sí. ¿Y de dónde? ¿Y de dónde? En esa novela hay una crítica terrible a la sociedad de antaño que todavía existe en las ciudades provinciales del Perú, una sociedad patriarcal y machista. El padre decide lo que se tiene que hacer, todos obedecen y cierran la boca. Quizá no se percibe tanto ya en una capital, ¿no? En Lima esto ya se ha ido borrando. En el Cusco todavía es presente, en particular en las familias cusqueñas conocidas. Nathalie, bonjour. Bonjour. On vous a vu présenter à ce salon littéraire un livre aujourd'hui et vous êtes à même de nous parler peut-être des particularités de la littérature péruvienne. Bon, la littérature péruvienne aujourd'hui connaît un grand essor. Oui. Des nouvelles librairies se sont ouvertes, des nouvelles maisons d'édition ont été créées ces dernières années. La lecture s'est quand même bien développée ces dernières années et de nouveaux auteurs commencent à apparaître, jeunes auteurs, plutôt la trentaine, hommes et femmes, et des auteurs notamment qui voyagent, qui vivent aux États-Unis, en Europe, qui rentrent au Pérou, qui écrivent sur le Pérou et non plus seulement sur le Pérou, mais aussi sur les rapports que des Péruviens peuvent avoir avec le monde entier. C'est très intéressant parce qu'on sort d'une littérature un peu trop classique, peut-être. Elle s'exporte bien. Elle s'exporte moyennement, disons. C'est ça peut-être le grand souci. La distribution ne suit pas toujours la grande production péruvienne qui existe. Il y a des personnalités comme Vargas Llosa, comme Blas Etienne, les poètes, par exemple, qui sont plutôt bien distribués, mais les auteurs jeunes ne sont pas encore suffisamment connus à l'étranger. Du coup, ils sont obligés de se rendre, par exemple, en Espagne pour pouvoir publier leurs ouvrages. C'est le cas d'un écrivain, par exemple, comme Sergio Galarza, qui a eu pas mal de succès au Pérou, mais qui, maintenant, en Espagne, doit refaire tout le chemin de zéro parce que la diffusion n'est pas arrivée à traverser les frontières, la mer. Donc, c'est quand même intéressant maintenant de voir que le public péruvien devient de plus en plus exigeant. Il ne se contente plus d'ouvrages à grand public plutôt faciles à lire, du genre Jaime Bailey ou maintenant Juliana Yamor, des choses comme ça. Ils sont plutôt exigeants, donc ils savent choisir les bons auteurs, les mauvais auteurs. Les maisons d'édition commencent à mieux choisir aussi. Autrefois, au début, même les jeunes éditeurs choisissaient n'importe quel auteur qui arrivait à leur maison. Maintenant, ils se permettent d'avoir un point de vue éditorial. Donc c'est très intéressant. Je pense que ça va s'améliorer. C'est aussi dû à la situation économique, il faut le dire. Le Péruvien moyen, maintenant, a un peu plus de ressources pour se procurer des livres, pour les partager, pour les offrir. Quels sont les points forts qui distinguent des autres pays d'Amérique latine la littérature péruvienne? Ah, c'est peut-être le pays lui-même, parce que la complexité du Pérou est indéniable. Le lectorat retrouve dans les ouvrages qui sont écrits par des Péruviens toute cette complexité. Nous avons déjà géographiquement 3 régions, nous avons également plusieurs temps, parce qu'il y a des populations qui vivent un peu en dehors de la modernité. Un peu, je le dis, parce que ce n'est pas totalement non plus. Et l'écrivain arrive aujourd'hui à refléter cette complexité. Donc ça fait en sorte que l'on ait énormément de choses à raconter, énormément de choses à dire. Donc il y a autant de textes qui tournent autour des histoires actuelles comme des textes historiques qui ont beaucoup de succès, d'auteurs qui se dédient à des recherches historiques, par exemple. Donc il y a un peu de tout. Il y a pas mal de choses à raconter au Pérou. Du coup, c'est ça, je pense, qui fait en sorte que la littérature soit riche et soit diverse. Merci Nathalie, merci. De rien, merci à toi. Bueno, la obra de Mario Vargas Llosa fue comentada por unos especialistas peruanos. Entre ellos, lo conocerán porque también es un novelista, Carlos Garayar. Parler du dernier roman d'Alonso Cueto que j'ai eu le plaisir de faire publier, enfin en français, pas celui-ci bien évidemment, mais La Parasol.
Et ce, bon, vous connaissez tous Alonso Cueto, qui est l'auteur d'une douzaine de romans qui ont été traduits dans une vingtaine de langues. Il a obtenu le prix Heraldé en 2005, il a été finaliste du Planeta bon, en 2007, et il est membre depuis 2009 de l'Académie péruvienne des lettres. Alors c'est un roman où on retrouve pratiquement tous les thèmes qui sont chers à Alonso Cueto. Le narrateur s'appelle Antonio S. et lorsque bon, démarre le roman, il apprend que ses parents sont morts dans un accident de voiture. C'est son oncle Adolfo qui lui annonce la nouvelle et qui l'informe que dorénavant, il vivra chez lui et avec sa tante Adriana. Ils l'élèveront comme leur propre fils et ils espèrent que Antonio poursuivra la lignée de la famille, c'est-à-dire s'impliquera dans la banque dont ils sont propriétaires. Bon, Adriana est en fait une femme à la fois redoutable et fragile. C'est la figure emblématique de la famille sur laquelle bon, elle exerce un matriarcat. Elle est l'actionnaire majoritaire donc, de cette banque extrêmement importante dont la famille est propriétaire. C'est elle qui prend les décisions, c'est elle qui organise les réunions de famille dans sa propriété qui se situe près du parc El Olivar. Et donc, d'emblée, le roman nous plonge dans l'oligarchie liménienne. Les premiers chapitres sont basés sur les souvenirs d'enfance et d'adolescence d'Antonio, qui est à la fois le témoin et l'observateur de la vie quotidienne de cette famille, dont très rapidement il perçoit, même enfant, les failles et les intrigues. Il se considère d'ailleurs lui-même un peu comme un marginal, marginal entre guillemets bien évidemment, parce qu'il n'a absolument pas l'intention de faire carrière dans cette banque, la finance l'ennuie profondément et son objectif c'est l'écriture. Donc bon, le fait aussi d'être orphelin le situe tout de suite à part et lui donne peut-être la distance suffisante pour décrire avec minutie, avec un esprit critique, les autres membres du clan, que ce soit bon, ses oncles et tantes, et il y a des descriptions qui sont parfois un peu caricaturales, mais intéressantes. Il critique également et décrit avec minutie son cousin Claudio, qu'il considère comme un abruti, mais un abruti qui travaille avec un poste important dans la banque. Sa cousine Sonia, par exemple, dont il dit qu'elle est laide, mais il s'entend merveilleusement bien avec elle. Et puis, il y a également, et là ça m'a fait penser un peu à Mundo para Julius de Bryce Echenique, l'immersion de ce jeune homme, de cet adolescent, dans le monde des domestiques. Et un autre personnage central va être Vénus, un chauffeur noir, le chauffeur noir de son oncle Adolfo, avec qui l'enfant va assister à une fête afro-péruvienne qui va beaucoup le marquer. On voit le roman qui évolue vers un roman policier entre guillemets. Donc l'assassinat de son oncle Adolfo va en fait convertir Antonio en détective amateur et le conduire à mener sa propre enquête pour découvrir le meurtrier. Parallèlement, bien évidemment, les soupçons de la police vont se porter sur Vénus, le chauffeur, et pour éviter le scandale, pour éviter que la famille ne soit éclaboussée, enfin que leur réputation ne soit ternie, la famille décide plutôt d'accuser le chauffeur Vénus d'un vol très important, plutôt que de l'assassinat de l'oncle. Vénus sera emprisonné, Antonio sera le seul membre de la famille, bien évidemment, à lui rendre visite en prison. Et c'est d'ailleurs Vénus, alors là c'est un peu mélo, qui sur son lit de mort lui révélera bien évidemment l'identité de l'assassin. Antonio en fait est un personnage vraiment intéressant parce qu'il est très très bien dépeint et il symbolise la rupture avec toute cette lignée. Il est timide, il est romantique et derrière la façade, les apparences, les masques, il cherche à percer les secrets les plus inavouables de sa famille et il dénonce aussi à travers l'hypocrisie d'une classe sociale les inégalités de la société péruvienne. Et je dirais que c'est un des aspects les plus intéressants de ce roman d'Alonso Cueto.
Alors pour conclure, on retrouve dans ce roman tous les thèmes qui sont chers à l'auteur. Le père absent, on sait tous qu'Alonso a perdu son père quand il avait 14 ans. Le thème de la famille que l'on retrouve dans pratiquement tous ses romans, qu'il a toujours fasciné et qu'il analyse, à mon avis, de façon absolument parfaite. Il dit lui-même que c'est la dernière grande religion de notre époque. On retrouve aussi le thème de l'investigation, de la recherche, le côté un peu policier. Bon, la recherche de Lorena, par exemple, la fille de Vénus, le chauffeur, m'a rappelé un peu la recherche de Myriam dans Laura Assou. Et puis, ce roman est construit comme un roman policier, donc on ne le lâche pas. Le récit nous entraîne dans une aventure qui est riche en intrigues et en rebondissements. Ça m'a fait penser, je vous le dis, à Alfredo Bracetchenique, Un mundo para Julius, un peu aussi par certains aspects à Conversation à la cathédrale de Vargas Llosa. Je ferai peut-être quelques réserves, c'est-à-dire que, bon, pour moi, lectrice française, j'ai trouvé que certains personnages étaient un peu stéréotypés. Vénus, le chauffeur noir dont le fils est délinquant, dont la fille va terminer prostituée dans un bordel. Bon, ça m'a paru un peu excessif, mais les personnages sont vraiment décrits avec une très grande finesse et une très grande psychologie. Voilà, ça c'était pour le roman d'Alonso Cueto. Mais j'ai dit à Yolanda que je voulais également parler très très vite et très rapidement de deux anthologies qui sont sorties au Pérou, donc en 2010, et qui me semble très intéressante parce que ce sont des anthologies faites par de jeunes auteurs péruviens, mais qui bien évidemment introduisent des auteurs de tous les pays d'Amérique latine et de jeunes auteurs. Et là, on a maintenant des jeunes qui ont cassé les multinationales de l'édition et qui arrivent à communiquer entre eux, alors que les livres ne traversent pas les frontières. Ces livres-là, on ne les trouvera pas ni au Chili, ni en Argentine. Qui les a édités? Alors, les éditeurs, attends, j'avais noté ça, je ne me souviens plus. Oui, exactement, Castromada. Et bon, ça me semble vraiment intéressant parce que ces jeunes auteurs, ont tous, vous le disiez avec Yann, des blogs, publient, reçoivent des documents, et c'est vraiment la blogosphère. C'est la globalisation culturelle, et ils affirment leur différence, leur indépendance face aux multinationales de l'édition. Et ça me paraît extrêmement sain. Ce projet également est très intéressant parce que c'est un livre qui a été organisé en même temps qu'un voyage. C'est-à-dire qu'on a invité de jeunes auteurs latino-américains à l'occasion du bicentenaire de l'indépendance, et ils sont partis du centre du Pérou, c'est-à-dire, ils ont pris la langue espagnole comme drapeau, ils sont partis d'Ayacucho, ils sont allés à Junin, ils sont allés en Cache, etc. Ils ont fait un périple à travers justement les Andes. Et ça me paraît vraiment très intéressant. C'est vrai que j'ai entendu ça, très intéressant. Muchas gracias, Agnès.